Is Rupert really as brilliant as they say? He hired me, didn't he? This is no time for politics. It's war. Anyone outside Fox is the enemy, and we do not talk about what we do. I spoke with the president. We'd like your help moving forward. Whatever you need, Carl. Fox News will back it. Dans cette chronique, il va s'agir d'aller piocher dans le monde des séries et d'aller regarder ces petits objets culturels au travers de questions sociologiques, politiques, voire philosophiques. Ces petits objets que l'on regarde encore plus qu'avant, bien sûr pour cause de Covid, sont de véritables mines d'or tant ils soulèvent des enjeux excessivement importants. Ce décryptage s'appellera Serial Politik. Je ferai à chaque fois un focus sur une série ou parfois sur un thème particulier. Tout ça sera prétexte à regarder de plus près notre environnement, bien évidemment. Aujourd'hui, j'ai choisi d'aller regarder du côté de la série américaine The Loudest Voice. Littéralement, le nom de la série veut dire « la voix la plus forte » ou aussi « celui qui crie le plus fort ». Cette série montre la création de la chaîne américaine Fox News. Et cette création est tout juste hallucinante. Fox News, c'est cette chaîne qui va finir par porter Trump au pouvoir. C'est cette chaîne qui va essayer de faire émerger dans les médias des idées conservatrices ultranationalistes et qui va finir par y arriver à force de crier très fort, plus fort que les autres. We challenge the existing agenda and we become the loudest voice. Cette série raconte donc la naissance de cette chaîne. On est en 1996 et Roger Ailes, soutenu par Rupert Murdoch lui-même, va créer cette télé et jouer sur une ligne que Trump va rendre célèbre, America First. God, country, family and manufacturing. Together we can make America great again. Roger, le patron, va jouer sans se gêner la carte sexiste, homophobe et raciste. La série dépeint un personnage odieux et sans limite. I hired you because you're a beauty queen. This no makeup feminazi shit. You want to go around looking like a lesbian teamster? Do it in your own time. And you should thank your lucky stars because there's not a lot of women of your age still on TV. Okay. Il obligera les journalistes de la chaîne à nommer Barack Obama Barack Hussein Obama. His name is Barack Hussein Obama. Always use his middle name. We don't have to worry about pushback. No, it's respectful. It's like Martin Luther King. Okay, you got it. He's supposed to work. Barack Hussein Obama. Quant au sexisme, il est récurrent, banal pour Roger, à tel point que c'est pour harcèlement sexuel que ce patron finira par tomber. Nous sommes bien avant MeToo, ne l'oublions pas. Give me a little twirl. You have got some beautiful eyes. How do you get on with your dad? Roger traîne dans son milieu en toute impunité, sexuellement mais aussi professionnellement. Seule la politique l'intéresse, bien moins que le journalisme. We have to issue an apology. No apology. Roger, he lied. Worse than that, he got caught. It's journalistic malpractice. We don't apologize. If you need to get out in front of it, Brian, get on the offensive. Just say it's the fog of war. An honest mistake. Honest. En effet, la ligne politique devient vite la seule chose qui retient l'attention de Roger. Le journalisme, la vérification par les faits n'ont plus aucune place dans la rédaction. Une seule chose le motive, convaincre à tout prix. Du coup, cette série devient un pur bijou sur la violence politique des médias, sur la collusion entre médias et politique, sur le financier, qu'est Murdoch, qui vient créer une chaîne à la mesure de ses idées, sur Roger, c'est ses liens avec Bush, puis ses liens avec Trump. La chaîne va devenir un porte-voix redoutable pour les républicains les plus conservateurs d'entre eux. Les journalistes participent d'une bataille des idées et travaillent à modeler les esprits, à favoriser tel ou tel candidat. Fox News ne fait plus du tout du journalisme, il fait de la politique. Je cite, « Nous devons orienter les informations, pas seulement les traiter », affirme le patron de la chaîne. Cette phrase va servir de guide à Fox News. A news network, Roger, we need seasoned reporters. What we need is people that people want to watch Because it's fucking television. Yeah, and when they do, it's our job to inform them. It's what we do. People don't want to be informed, Ian. They want to feel informed. On ne peut pas regarder cette série sans se poser la question du rapport entre médias et politique, se demander en quoi les grandes chaînes de télé orientent, posent le débat, font l'agenda. Dans quelle mesure un sujet devient central et façonne les esprits, et pourquoi pas les votes. Qu'est-ce qu'une presse libre? C'est aussi une sacrée question. Est-ce possible qu'une presse autonome existe, libérée des Murdoch et autres magnats de la finance? Véritable interrogation. La télé et les médias font-ils l'élection, finalement, pourrions-nous nous demander? Peut-être plus qu'un lien direct entre discours médiatique et élection, il y a une sorte d'influence sur les enjeux qui doivent être considérés comme importants. Dans Fox News, par exemple, c'est l'immigration, les Mexicains à la frontière, la sécurité, le nationalisme, le terrorisme. Tous ces thèmes ont été des enjeux qui ont été mis au centre des débats. Comme une conséquence logique, les votes se sont construits autour de ces thématiques. Every time they bring up a talking point, we're going to counter it. They say progressive, we're going to say socialist. They say safety net, we're going to say welfare cheat. They say healthcare, we're going to say fucking death panels. Just push the message. Socialist, Muslim, un-American. Just keep hitting those things. Over and over again. Keep hitting them. Si la télé ne perturbe pas forcément le vote au sens strict, elle induit les choses. Elle insiste sur les enjeux à mettre au premier rang. Et puis aussi, bien sûr, elle crée des personnages, elle les rend éligibles. Une politique sans notoriété, ou un politique sans notoriété n'existe pas. Et Roger va en partie créer Donald Trump. Hello, Donald. Yeah, Roger Stone sent me the plan for the announcement, and you know, I got a few comments. You know, the escalator entrance is a great idea. It's great, but you gotta have that atrium full. It's gotta be packed. Well, you know, you can hire people. Yeah, you just get some out-of-work actors to fill in the background. It does cost money, yes, it does. But that first shot has got to be powerful. Well, you're Donald fucking Trump. You're a TV star. And this announcement is like a TV show. That's the way you have to think of it. That is some group of people, thousands. Beyond anybody's expectations. There's been no crowd like this. Our people love him, and the rest love to hate him. But you know what, Bill? Everybody's watching. Roger conclura toute cette séquence par une sentence qui en dit long sur le débat démocratique. Je cite, « Les Américains vont enfin comprendre que la télévision remplace les salles de débat. » Donald is about to prove that television has replaced the political party. Well, just like you said it would when you elected Nixon. Back in the bad old days. If he listens to me, and Roger Stone and Manafort. We'll get him in the White House. Démocratie, influence, financement, tout est dans cette série. Mais heureusement, une télé à la Loudest Voice commence peut-être à prendre l'eau. Les moyens de s'informer ou de se distraire se multiplient et nous laissent à penser que nous pouvons être moins soumis à une seule source d'information. Chaînes alternatives, YouTube, plateformes, les chemins audiovisuels sont nombreux. Alors finalement, ne reste sur Fox News que ceux et celles convaincus. La segmentation est telle aujourd'hui que chacun se réfugie là où il, elle se sont chez lui, chez elle. Même si les magnats de la presse continuent évidemment de régner durement et que la bataille reste extrêmement féroce. Je vous donne donc rendez-vous pour un prochain épisode de Serial Politik très prochainement.